Bonjour. Donc, vous avez vu l'algorithme du simplex et on a traité le cas de maximisation, son utilisation des variables artificielles. Dans ce cas, on va voir quel est le cas d'utilisation des variables artificielles. Considérons le programme linéaire suivant. Max 2 égale à 5 x1 plus 6 x2 sous les contraintes moins x1 plus x2 inférieur ou égal à 4. 5x1 plus 3x2 égale à 60 et x2 supérieur ou égal à 5. Tel que x1, x2 positif. On va essayer de résoudre ce programme linéaire par la méthode du simplex. Premièrement, il faut trouver une solution de base. On va essayer de réécrire le programme linéaire sous forme canonique en rajoutant des variables, premièrement des variables dk, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. On rajoute des variables dk, e1 et e2. Donc si x1 égale à x2 égale à 0, qu'est-ce qu'on va? Donc si x1 égale à x2 égale à 0, donc on trouve que e1 égale à 4 et e2 égale à moins 5. Et on a dit qu'il faut que les variables soient positives. Toutes les variables de décision et les variables dk doivent être positives. E2 égale à moins 5, donc la solution proposée, la solution de base réalisable proposée, est injuste. Donc il faut trouver une solution de base juste, dans le cas où les variables sont positives. Donc en rajoutant des variables artificielles. Donc pour arriver à cette fin, on doit ressortir une astuce mathématique qui se résume à l'introduction d'une nouvelle variable, dite variable artificielle, A1 et A2. Et on va rajouter des variables artificielles. Donc le programme devient max z égale à 5x1 plus 6x2 sur les contraintes moins x1 plus x2 plus e1 égale à 4. Ça veut dire qu'on va garder cette contrainte comme précédente. Et la deuxième contrainte, la contrainte d'égalité, donc c'est 5x1 plus 3x2 plus a1 égale à 60. Donc a1 c'est la variable artificielle. x2 moins e2 plus a2 égale à 5. Tel que x1, x2, e1, e2, a1, a2. Positif. Maintenant, si x1 égale à x2 égale à 0, donc la solution proposée, la solution de base proposée, x1 égale à 0, x2 égale à 0, e1 égale à 4, e2 égale à 0, a1 égale à 60, a2 égale à 5, donc c'est une solution, puisque toutes les variables sont positives, donc la solution proposée est juste. Et on voit, donc le PL devient comme il est, donc max 2z égale à 5x1 plus 6x2 moins ma moins m2. Ça veut dire on va soustraire une quantité ma1 moins ma2 de la fonction objectif. Tel que m, c'est un nombre très très élevé. Un nombre positif très élevé. Avec des coefficients 1 à 2 des variables artificielles. Donc si ça veut dire si vous êtes en train de maximiser, on rajoute moins ma1 moins ma2. Et si vous êtes en train de minimiser, en rajoutant plus MA1 plus MA2. Et on va essayer de maximiser la fonction Z. Donc on va exprimer A1, A2 à partir des deux équations précédentes, des contraintes. A égale à 60 moins X1 moins 3X2. A2 égale à 5 moins X2 plus E2. Et on va remplacer A1, A2 dans la fonction objectif. Donc la fonction objectif devient. Donc z égale 5 plus 5 m fois x1 plus 6 plus 4m x2 moins me1 moins me2 moins 60m. Et on va construire ce qu'on appelle le premier tableau du simplex. Donc le premier tableau, on va écrire toutes les variables ici, sur les variables d'écart, les variables de base, variables d'écart et les variables artificielles, le b c'est la capacité. Et ici on va écrire la solution de base, E1, E2, E1, A1, A2. Ça, c'est les coefficients de 2z exprimés en fonction de m. Et on va procéder, ça veut dire suivre la même procédure, la même méthode utilisée dans le cas de maximisation. Donc, les mêmes conditions d'arrêt, ça veut dire lorsque les coefficients de z sont nuls ou négatifs, on arrête les calculs. Et la méthode de remplissage des tableaux, donc en utilisant la même méthode de triangle
de gosse, expliqué précédemment. Donc, amélioration de la solution, on procède. Donc, on doit définir la colonne du pivot, la ligne du pivot, et on va définir ces colonnes de pivot, et on va suivre la même méthode utilisée précédemment. Donc, la première itération, deuxième itération, jusqu'à la satisfaction de la condition d'arrêt.